Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi ce nouveau tutoriel de passe-temps crochet QC. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va faire la confection de Orion. Orion qui est un amigurumi pour aider nos petits boutchous à faire des beaux dodos. Alors pour la confection, on va avoir besoin d'un compteur de rang, aiguille à laine, ciseaux, crochet 3,50 qu'on va utiliser aujourd'hui pour cette confection, un marqueur de maille, un nid de sécurité avec ancrage, yeux de sécurité avec ancrage et je vais utiliser ceux avec la couleur bleue. Alors bien sûr, si vous voulez tout simplement les broder, il n'y a aucun problème. Fard à joues pour venir faire les petites joues. Bourrure anti-acarien et anti-allergène. Et bien sûr, trois couleurs de laine pour faire le plus gros du travail. Alors pour venir faire la couleur de peau, de Orion. Alors, je vais utiliser de la Berna couleur parchemin. Alors, 7 onces, 198 grammes. Ensuite, pour le petit pyjama et son chapeau, je vais venir utiliser de la Berna. Celle-ci, c'est Éclat de bleu ciel. Alors, c'est un petit bleu ciel avec un fil d'argent à l'intérieur. Venez chercher le côté scintillant de Orion. Alors, c'est une 5 onces, 142 grammes. Et ensuite, je vais utiliser de la Red Heart, couleur bleue un peu plus foncée. Alors, je n'ai pas le nom spécifiquement de celle-ci, mais on vient tout simplement chercher une couleur plus foncée. Alors, les couleurs sont seulement à titre indicatif. Vous utilisez les couleurs que vous voulez, c'est parfait. Alors, voilà. Alors, on va commencer avec la tête. Alors, le rang numéro 1. On va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Donc, voilà. Alors, une fois que mon cercle est fait, alors, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et je vais tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle. Alors, comme ceci. Alors, c'était le rang numéro 1. Alors, on peut venir le marquer avec notre marqueur de maille. Alors, ensuite, le rang numéro 2. On va faire 6 augmentations. Alors, dans chacune de nos mailles, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, je viens dans ma première maille. Et je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, une et deux. C'est ce qui fait ma première augmentation. Alors, la deuxième. Alors, une et deux. Alors, ma deuxième augmentation. La troisième. Une et deux. La quatrième. Une et deux. La cinquième, une et deux. Et la sixième. Alors, une et deux. Alors, c'est ce qui fait nos 6 augmentations. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir nos 12 mailles serrées. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang numéro 2, alors, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour venir fermer le petit trou du milieu. Alors, je tire sur mon fil et le trou se referme. Alors, ensuite, on peut venir couper l'excédent de laine. Voilà. Et on est prêt pour notre rang numéro 3. Alors, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première et on fait une maille serrée. Et on vient l'identifier avec notre marqueur de maille. Voilà. Alors, ensuite, notre constance, c'est une augmentation. Alors, dans la deuxième maille, je viens faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, une et deux. Alors, c'était mon augmentation. Alors, une maille serrée, une augmentation. Alors, je recommence, une maille serrée. Et dans la suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et c'est ma constance pour tout le rang.
Alors, une fois que je me rends au marqueur de maille, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, on vient faire dans notre première maille une maille serrée. Je l'identifie. Voilà. Dans ma prochaine maille, je fais une maille serrée. Et dans la troisième, c'est ici que je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi de notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon rang, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 5. 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, je viens à ma première, je fais une maille serrée, je viens l'identifier. Alors, ça fait 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon rang numéro 5, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 6. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on commence avec nos 4 mailles serrées. Alors, une, je la marque. Une. 2, 3, 4. Et dans ma prochaine maille, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 6. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 7. 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, on commence avec nos 5 mailles serrées. Alors, une, on vient l'identifier. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. Et dans la maille suivante, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est la constance pour le rang 7. 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Le rang numéro 8. 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, on commence avec nos 6 mailles serrées. Alors, la première qu'on vient toujours identifier. Alors, 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, c'est la constance pour le rang numéro 8. On fait nos 6 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 48. Le rang numéro 9, on fait seulement les 48 mailles. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. Alors voilà, j'ai fait le rang numéro 9 avec mes 48 mailles. Alors nous avons ceci. Alors on a déjà un bon petit début de tête de fait. Alors maintenant, pour le rang numéro 10, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 54. Alors on commence avec nos 7 mailles serrées. Alors, une. Et je viens bien sûr marquer la première. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept.
Et dans ma maille suivante, c'est ici que je viens faire mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 10. 7 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 54. Le rang numéro 11, 8 mailles serrées, une augmentation pour un total de 60. Alors, on commence avec nos 8 mailles serrées. Alors, une, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans ma maille suivante, mon augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 11. Je fais 8 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 60. Ensuite, du rang 12 à 19, y compris le 19, on monte nos 60 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 20. Alors, voilà, j'ai fait mes rangs jusqu'à 19. Alors, on a déjà la moitié de la tête de fait. Alors maintenant, à partir du rang numéro 20, on va commencer à faire nos diminutions. Alors, pour le rang 20, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, pour revenir à un total de 54. Alors, on va commencer avec nos 8 mailles. Alors, une, j'identifie toujours la première. Voilà, alors une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Alors ensuite, maintenant, dans les deux prochaines mailles, on va venir faire nos diminutions. Alors, je vais venir dans ma première maille et je vais venir chercher le brin avant seulement de la première maille et le brin avant seulement de la deuxième. Et ensuite, je vais venir faire une jetée. Et c'est ce qui fait notre diminution. Alors, 8 mailles serrées, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ensuite, je vais venir chercher brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors j'ai fait ma diminution. Alors c'est la constance pour le rang numéro 20. On fait 8 mailles serrées, une diminution, tout le tour, et à la fin, on va avoir nos 54 mailles. Le rang 21, 7 mailles serrées, une diminution pour un total de 48. Alors, on commence avec nos 7 mailles serrées. Alors, une, on la marque. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et ensuite ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, la diminution. Brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est la constance pour le rang 21, 7 mailles serrées, une diminution, pour un total de 48. Le rang numéro 22, 6 mailles serrées, une diminution, pour un total de 42. Alors, on commence avec nos 6 mailles. Une, je l'identifie. Deux, trois, 4, 5 et 6. Et ensuite, ma diminution. Alors,
Brin avant seulement. Brin avant seulement. Une jetée. Alors, je viens de faire ma diminution. Alors, c'est ma constance pour le rang 22. 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Le rang numéro 23. 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors, je commence avec mes 5 mailles serrées. Alors, une. Je la marque. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, ma diminution. Brin avant seulement. Brin avant seulement. Une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 23. 5 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 36. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang numéro 23, on peut venir mettre les yeux de sécurité à notre orillon. Alors, si vous les brodez, alors c'est le meilleur moment pour venir les faire. Sinon, avec les yeux de sécurité à ancrage, on va venir compter 15 rangs à partir de notre cercle magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, entre le 15e et le 14e rang, c'est ici qu'on va venir mettre les yeux. Alors, je viens à poser mon premier œil. Voilà, je le rentre dans une maille. Comme ceci. Et bien sûr, avant de venir le fixer, je vais mettre le deuxième pour voir si la séparation me plaît. Alors, avec le premier œil, on va venir compter 12 mailles pour séparer avec notre deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 12, ça vient jusqu'ici. Alors, je viens mettre mon deuxième œil. Et si l'espacement me convient, si j'aime, alors là, je peux venir mettre mes ancrages. Alors, on va être bien sûr que c'est bien égal. Et bien sûr, je vais venir mettre mon ancrage et porter attention pour voir si j'entends bien le petit cric pour dire que l'œil est bien fixé. Alors voilà, on l'a très bien entendu. Alors mon œil, il n'y a aucun danger. Il ne pourra pas s'enlever. Alors même chose pour le deuxième. Alors voilà, on l'a encore très bien entendu. Alors voilà, mes deux yeux sont bien fixés et il n'y a aucun danger pour donner mon orillon à un petit enfant. Alors voilà. Les petits yeux. Alors, ensuite, on va venir apposer le nez. Alors, moi, c'est un petit nez à ancrage. Alors, on va y aller en faisant un triangle. Alors, bien sûr, on sait que les yeux sont entre le 14 et le 15e rang. Alors, 15, 16, 17, 18. Alors, je dirais au 18e rang. Alors, en faisant un triangle, pour venir chercher le milieu de nos deux yeux, c'est ici que je vais venir mettre le petit nez. Alors voilà. Et encore une fois, avant de venir mettre l'écran de sûreté, je vais m'assurer que j'aime bien l'emplacement. Alors là, c'est sûr que la tête n'est pas encore bourrée. Alors c'est sûr que ça nous donne une idée plus ou moins. Alors voilà. Moi, le petit nez me convient. Alors je peux venir mettre l'ancrage. Alors, même chose, il faut entendre le petit cric. Voilà. Pour être sûr que c'est bien fixé. Alors, voilà. Alors, le plus gros du visage est fait pour Orion. C'est sûr que à la fin, on va venir peaufiner le tout. Alors, pour le moment, on laisse comme ceci et on continue avec notre rang numéro 24. Alors, le rang numéro 24, on va faire 4 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 30.
Ah, je commence avec mes quatre mailles serrées. Alors, la première que je marque. Alors, ça fait une, deux, trois et quatre. Et ensuite, ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 24. 4 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 30. Le rang numéro 25. 3 mailles serrées, une diminution, pour un total de 24. Alors, on fait nos 3 mailles serrées. Alors, la première que j'identifie. Alors, une, deux et trois. Et ensuite, ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors voilà, c'est notre petite constance pour le rang numéro 25. 3 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 24. Une fois qu'on a terminé notre rang 25, c'est le moment de venir bourrer l'intérieur de la tête. Alors voilà. Alors, avec notre bourrure, on va venir bien rembourrer la tête pour lui donner une très belle forme ronde, mais sans trop bourrer pour pas que les mailles du visage s'ouvrent et qu'on voie la bourrure. Alors, on y va généreusement en prenant bien soin de bourrer chaque recoin de la tête. Et bien sûr, il faut venir la travailler. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis assez de bourrure et que ça nous plaît, alors voilà. Petit visage tout mignon. Alors, on va venir terminer avec le rang numéro 26. Alors, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution, pour arriver à un total de 18. Alors, une, et je viens l'identifier. Une et deux. Et ensuite, ma diminution. Brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre petite constance pour le rang 26. 2 mailles serrées, une diminution, pour un total de 18. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 26. Alors maintenant, on va venir refermer la tête à l'aide de notre aiguille. Alors on vient se couper de la laine, alors une bonne longueur pour pouvoir bien refermer et bien sûr se garder aussi une longueur pour venir coudre la tête sur le corps. Alors on se prend une longueur assez longue pour tout effectuer. Alors voilà. Alors on s'enfile dans l'aiguille et ensuite on va venir maille par maille refermer la tête de Orion. Alors voilà, je vais venir dans ma première maille, la deuxième, la troisième. Alors j'y vais comme ceci en serpentin et je viens tirer sur mon fil. Voilà, et je continue de cette façon. Je viens retirer. Voilà. Et je continue pour fermer complètement la tête. Alors voilà. Alors j'y vais en serpentin. Tant si longtemps que la tête n'est pas fermée au complet. Alors voilà, une fois que la tête est fermée, on vient faire un nœud. Alors voilà, alors je peux faire un nœud, deux nœuds, alors pour être sûr que c'est bien fermé.
Donc voilà. Et bien sûr, je garde mon fil pour venir coudre sur le corps. Alors voilà, on a terminé la tête d'Orion. Alors on vient mettre de côté pour plus tard. Et maintenant, on va venir faire ses oreilles. Alors voilà une petite oreille ici que j'ai déjà fait pour vous montrer. Alors la confection de l'oreille va être comme celle-ci. Alors une oreille faite sur le long qui est non bourrée. Alors c'est important de ne pas venir mettre de la bourrure. Et voilà, ça donne une idée des oreilles de Orion. Alors elles vont être comme ceci. Alors voilà, alors pour commencer l'oreille, on va venir se faire pour le rang numéro 1, un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a terminé, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Le rang numéro 2, on fait les 6 mailles simplement. Alors, on vient refaire 6 mailles serrées dans nos mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, si votre travail a viré, donc on pourrait dire, alors on vient tout simplement le pousser pour le remettre à l'endroit. Alors on peut venir tirer sur notre fil de départ pour fermer notre cercle. Et ensuite, on coupe l'excédent de laine. Alors voilà. Là, on est prêt à continuer avec le rang numéro 3. Alors le rang 3, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12 mailles. Alors dans chacune de nos mailles serrées, on va venir faire une augmentation. Alors on vient dans la première et on fait 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors 1 et 2. Alors c'est la première augmentation. La deuxième, alors 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de mon troisième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait les 12 mailles, pardon, et on se retrouve pour le rang numéro 5. Le rang numéro 5, on va faire une maille serrée, une augmentation, pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée, et on vient l'identifier. Alors, ça fait une. Dans la maille suivante, on va faire notre augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 5. Une maille serrée, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir nos 18 mailles. Du rang 6 à 9, y compris le 9, on fait les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 10. Alors, le rang numéro 10, on va commencer à faire les diminutions. Alors, on va faire une maille serrée, une diminution pour revenir à un total de 12. Alors, on vient dans notre première maille et on fait une maille serrée. Alors, une, on vient l'identifier. Et ensuite, on va venir faire notre première diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, une maille serrée, une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 10.
une maille serrée, une diminution, pour revenir à un total de 12. Ensuite, le rang 11 et 12, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 13. Le rang numéro 13, une maille serrée, une diminution, pour revenir à un total de 8. Alors, on fait une maille serrée pour commencer. On la marque. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Une maille serrée, une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 13. Une maille serrée, une diminution pour un total de 8. Ensuite, le rang numéro 14, on fait les 8 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon rang numéro 14. Alors, je viens terminer dans la maille suivante avec une maille coulée. Et bien sûr, je me garde de la laine pour venir coudre l'oreille sur la tête de notre rayon. Alors voilà, on se garde de la laine pour la couture et on vient terminer avec un petit nœud. Alors voilà, on fait deux oreilles identiques comme celle-ci. Et ensuite, on les met de côté pour venir faire l'assemblage plus tard. Alors maintenant, on va venir prendre notre bleu un peu plus foncé. Alors, parce qu'on va commencer maintenant les jambes. Alors, pour le rang numéro 1, on va se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Et par la suite, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Alors, c'était le rang numéro 1. Alors, le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune de mes mailles, je viens faire mon augmentation. Alors, dans ma première, 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1, et 2. Alors, c'est ma première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. La sixième, 1 et 2. Alors voilà, à la fin de mon rang numéro 2, je vais avoir mes 12 mailles. Alors je viens fermer ici le trou de mon cercle magique en tirant sur mon fil et je coupe l'excédent de laine. Alors voilà. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée et je viens la marquer. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Alors, ma constance pour le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon rang numéro 3, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 4 et 5, on fait les 18 mailles serrées avec notre bleu. On continue avec cette couleur, le rang 4 et 5. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Alors voilà, j'ai terminé jusqu'à mon rang numéro 5. Alors maintenant, je vais venir faire mon changement de couleur parce que maintenant on va intégrer notre bleu ciel étoile scintillant avec celle qui a l'argent dedans. Alors on vient dans notre maille suivante, alors on pique dans notre maille et on vient rentrer tout simplement notre nouvelle couleur à l'intérieur.
et ensuite on vient faire une jetée. Alors là, on est prêt à repartir avec notre nouvelle couleur. Alors, je vais faire le premier rang avec vous pour faire le changement de couleur. Alors, on est rendu au rang numéro 6. Alors, on continue avec nos 18 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, une fois que mon rang 6 est fait, je peux venir couper la couleur du petit bas. Alors, la couleur bleu foncé. Alors, je viens couper. Et avec le début de mon changement de couleur, alors celle qui était la bleu ciel avec l'argenté, je viens faire un petit nœud. Comme ceci. Et je laisse les fils à l'intérieur de la jambe. Alors voilà, maintenant je suis prête à continuer avec ma nouvelle couleur. Alors, du rang 7, parce que là on est rendu au rang 7, alors de 7 à 19, y compris le 19, on monte les 18 mailles et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mes rangs 7 à 19, eh bien nous avons ceci. Alors, la première petite jambe est faite. Alors, on vient terminer avec une maille coulée dans la maille suivante. Comme ceci. Et on vient couper notre fil et faire notre petit nœud. Voilà. Alors, pour le moment, on met de côté et on en fait une deuxième. Et on se retrouve pour commencer le buste. Alors voilà, j'ai terminé mes deux petites pattes. Alors, nous avons ceci. Je suis venue les bourrer. Alors, on bourre pour que la patte soit ferme, mais il ne faut pas que les mailles s'ouvrent. Alors, j'ai rentré le fil dans mes mailles et ensuite, je l'ai coupé. Alors, c'était ma première. Et la deuxième, elle est encore prise après la pelote. Alors, maintenant, on va venir raccorder nos deux pattes ensemble pour commencer à monter le buste. Alors, on va venir placer nos pattes. Alors, j'ai replacé mon crochet dans la maille. Et tout simplement, je vais venir chercher la maille de la deuxième patte, comme ceci. Et je vais venir la crocheter. Alors, voilà. Alors, bien sûr, on prend notre temps pour que les pattes soient bien placées. Alors, je rentre dans ma maille. Et je viens faire une jetée. Alors, comme ceci. Alors, on va faire tout le contour. Alors, nous avons 18 mailles d'un côté, 18 mailles de l'autre côté. Alors, on fait les 36 mailles, tout simplement, pour le premier rang. Alors voilà, une fois qu'on a terminé, eh bien nous avons ceci. Alors vous allez remarquer qu'on n'est pas venu crocheter les deux bords ensemble, les deux mailles de chaque côté ensemble, parce que je voulais vraiment avoir des jambes qui pouvaient être très amovibles. Alors voilà. Pour le rang numéro 2, on va faire un bloc de 3, de 8 mailles serrées, une augmentation. Alors 8 mailles serrées, une augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation et terminer avec 9 mailles serrées pour arriver à un total de 39. Alors, on va venir dans notre première maille. Alors, on fait une maille serrée et on vient l'identifier. Alors, on fait 8 mailles serrées et par la suite, on va faire notre augmentation. Alors, ça fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, dans la maille suivante, on va venir faire notre augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce qu'on va reproduire, le petit bloc. Alors là, on l'a fait une fois. Alors, 8 mailles serrées d'augmentation. On le refait une deuxième fois. 8 mailles serrées d'augmentation. Une troisième fois, 8 mailles serrées, une augmentation. Et on termine avec 9 mailles serrées pour avoir un total de 39. Alors, voilà. Une fois qu'on a terminé le rang 2, bien, nous avons ceci. Alors, les jambes sont bien raccordées. Alors, pour le rang numéro 3, on va faire 10 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, et on termine avec 9 mailles serrées pour avoir un total de 42. Alors, on commence avec les 10 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première maille. Alors, on fait nos 10. Alors, la première, et bien sûr, la première, on vient l'identifier. Alors, une, on l'identifie, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et la dixième. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait notre augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, pour le rang numéro 3, 10 mailles serrées, une augmentation. On vient de les faire. Ensuite, 9 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, 8 mailles serrées, une augmentation. Et on termine avec 9 mailles serrées pour avoir un total de 42. Pour le rang numéro 4, 11 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, et on termine avec 10 mailles serrées pour un total de 45. Alors, on va commencer avec les 11 mailles serrées. Voilà. Alors, une, je viens l'identifier. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Et ensuite, dans ma prochaine maille, je fais mon augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 9 mailles serrées, une augmentation. 9 mailles serrées, une augmentation. 10 mailles serrées pour un total de 45. Ensuite, pour le rang numéro 5, on fait les 45 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 6. On se retrouve pour le rang numéro 6. Alors, le rang numéro 6, 11 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, et on termine avec 11 mailles serrées pour avoir un total de 48. Alors, on commence avec les 11 mailles serrées. Alors, une, on la marque. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Et dans la maille suivante, l'augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, on a fait la première, 11 mailles serrées d'augmentation. Ensuite, 10 mailles serrées,
une augmentation. 10 mailles serrées, une augmentation. On termine avec 11 mailles serrées pour un total de 48. Par la suite, durant 7 à 15, y compris le 15, on monte les 48 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 16. Et voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 15. Alors, on a une bonne partie du bas du corps de fait. Alors, maintenant, on va commencer à faire les diminutions. Ah, et aussi, je suis venue bourrer. Alors, la même façon, on vient bourrer pour qu'on aille un corps ferme, mais sans non plus ouvrir les mailles. Alors, voilà, maintenant, on est prêt à faire le rang numéro 16. Alors, on va reproduire 14 mailles serrées. Une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, et on termine avec 9 mailles serrées pour revenir à un total de 44. Alors, on commence avec les 14 mailles serrées. Alors, la première, alors une, et bien sûr, on vient la marquer. Une, deux, 3. Je vais recommencer ma troisième. Alors, ça fait 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13 et 14. Pardon. Et ensuite, on va venir faire nos diminutions. Alors, dans les deux prochaines mailles, brin avant seulement, brin avant seulement, brin avant seulement, suivi d'une jetée. Alors voilà, je viens de faire ma diminution. Alors, pour le reste du rang, on est rendu à 5 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. On termine avec 9 mailles serrées pour un total de 44. Les rangs 17 et 18, on fait les 44 mailles et on se retrouve pour le rang 19. Alors, le rang numéro 19, 13 mailles serrées, une diminution, 20 mailles serrées, une diminution, et 7 mailles serrées pour un total de 42. Alors, on fait les 13 mailles serrées pour commencer. Alors, une, on la marque. Deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors voilà, on a fait le premier. Alors 13 mailles serrées, une diminution, c'est fait. Alors ensuite, 20 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées pour un total de 42. Et ensuite, du rang 20 à 23, y compris le 23, on fait les 42 mailles et on se retrouve pour le rang 24. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé nos rangs 20 à 23, le rang numéro 24. 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors, on vient faire les 5 mailles serrées. Alors, on identifie la première. Alors, une. Voilà. Une. Deux. Trois. Quatre. Et la cinquième. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre petite constance pour le rang numéro 24. 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Par la suite, les rangs
25 à 29, y compris le 29. On monte les 36 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 30. Et voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 29 et je suis venue mettre ma bourrure pour continuer à bourrer. Alors voilà, hein, on continue, à chaque fois qu'on augmente, on remplit de bourrure. Alors maintenant, le rang numéro 30. 4 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 30. Alors on fait les 4 mailles serrées pour commencer. Oups, on fait les prix dans ses pattes. Alors, une, on vient l'identifier. Une, deux, trois et quatre. Et je fais tout de suite ma diminution dans la maille suivante. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors voilà, c'est ma petite constance pour le rang numéro 30. 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Ensuite, du rang 31 à 35, y compris le 35, on monte les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 36. Le rang numéro 36, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, une, on la marque, deux et trois, et ensuite on fait notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est la petite constance du rang numéro 36. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Ensuite, le rang 37 et 38, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 39. Le rang numéro 39, 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Alors, 2 mailles serrées. Une. Et la deuxième. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, notre petite constance pour le rang 39. 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Et le rang 40-41. On fait les 18 mailles et on se retrouve. Une fois que j'ai terminé mon rang numéro 41, alors on vient terminer avec une maille coulée dans la maille suivante, là, comme ceci, puis on vient couper notre fil. Alors voilà, je fais un petit nœud et on rentre le fil à l'intérieur. Alors ensuite, on vient terminer de bourrer. Alors voilà. Comme ceci. Et là, on peut se donner une idée avec la tête de quoi Orion va avoir l'air. Alors voilà, on a déjà une bonne partie de fait. Alors maintenant, on vient mettre le corps d'Orion de côté parce que maintenant, on va commencer les bras. Alors maintenant, on va faire les bras. Alors, on va faire un bras comme celui-ci. Alors, on va revenir jouer avec nos trois couleurs. Alors, la couleur qui avait servi à faire le visage de Orion. Alors, pour moi, c'était le parchemin. Alors ensuite, on continue avec la couleur du pyjama et on va venir terminer en faisant des brides pour faire la manche, pardon. Alors voilà. Alors, on vient chercher notre parchemin. On se fait un cercle magique pour commencer. Et pour le premier rang, bien, on se fait 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Et on se monte 6. Alors, une, deux, trois
4, 5 et la sixième. Et ensuite, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer. C'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations. Alors, une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première et on fait 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, ça fait notre première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième pour terminer. Alors, 1 et 2. Alors, à la fin de notre deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3 à 7, y compris le 7, on monte les 12 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 8. Pour le rang numéro 8, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on vient piquer dans la maille à côté et on vient chercher la couleur de notre pyjama. Alors, qu'on rentre dans la maille et ensuite, on fait une jetée. Et là, on est prêt à repartir pour faire notre rang numéro 8. Alors, on va commencer tout de suite avec une diminution et ensuite, on va faire 10 mailles serrées pour arriver à un total de 11. Alors, on commence par la diminution, brin avant seulement, une jetée. Et ensuite, on fait nos 10 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors maintenant, puisqu'on a terminé notre rang 8, on peut venir couper la couleur de la main. Alors, on coupe et on vient avec notre fil de départ, quand on a rentré notre couleur, on vient faire un petit nœud. Alors voilà. Une fois que les nœuds sont faits, on ne fait que rentrer les fils à l'intérieur de la main. Et là, on est prêt à continuer. Alors, pour le rang 9 à 18, y compris le 18, on monte les 11 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 19. Pour le rang numéro 19, on va faire une diminution, 9 mailles serrées, pour avoir un total de 10. On vient commencer tout de suite avec la diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Et ensuite, on fait nos 9 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang numéro 19, on a nos 10 mailles serrées. Alors, de 20 à 28, y compris le 28, on monte les 10 mailles serrées et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient finir avec une maille coulée dans la maille suivante. On se garde de la laine pour venir faire la couture. Alors, on vient couper et on fait notre petit nœud. Comme ceci. Alors voilà, nous avons un petit bras. Alors ensuite, on va venir faire notre rang de bride comme celle-ci pour venir faire la jolie démarcation entre la main et le pyjama. Alors, on vient chercher notre deuxième couleur. Et là, notre bras, on va le virer. Alors, où est-ce qu'on a fait notre changement de couleur? C'est ici qu'on va venir faire notre rang de bride. Alors, on vient mettre notre crochet dans la maille, alors, comme ceci, et on vient rentrer la couleur.
Et ensuite, en tenant notre fil avec le pouce, on va venir se monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et on est prêt à commencer notre rang de bride. Alors, on vient dans la maille suivante et on fait une bride. Alors, comme ceci. Alors, je ne sais pas si on a bien vu. Alors ensuite, la prochaine maille et on fait une bride. Comme ceci. Et c'est ce qu'on va faire tout le long de la manche jusqu'à revenir à la dernière maille. Alors, on fait notre rang de bride et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé, on vient couper notre fil, on fait notre petit nœud et on vient rentrer les fils à l'intérieur à l'aide de notre aiguille. Voilà. Et on vient ressortir plus loin pour venir couper l'excédent. Alors, on fait la même chose pour les deux fils. Et voilà. Et on coupe. Alors, voilà. Une fois que nos deux bras sont terminés, eh bien, on les met de côté. Parce que maintenant, on va commencer le chapeau. Alors, pour le chapeau, alors j'ai décidé de prendre la deuxième couleur pour venir le créer, pour que ça fasse moins toute la même couleur que le pyjama. Alors, avec la deuxième couleur, et là, c'est sûr, c'est juste à titre indicatif, vous prenez la couleur que vous voulez pour faire le chapeau. Alors, pour le premier rang, on va venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que mes 6 mailles sont montées, je viens tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle. Alors voilà, c'était le rang numéro 1. Le rang 2 et 3. On va faire les 6 mailles serrées tout simplement et on se retrouve. Le rang numéro 4. On va faire 6 augmentations. Alors, on vient dans chacune de nos mailles et on fait une augmentation pour arriver à un total de 12. Alors, dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées dans celle-ci. 1 et 2. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de mon quatrième rang, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Par la suite, le rang 5 et 6, on monte les 12 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on va faire une maille serrée, une augmentation pour un total de 18. Alors, on vient faire dans notre première maille une maille serrée. Alors, une. Et on vient l'identifier. Et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre petite constance pour le rang 7. Une maille serrée. Une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois qu'on va terminer le rang numéro 7, on va avoir nos 18 mailles. Le rang 8 et 9, on fait les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, deux mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, on vient faire nos deux mailles serrées pour commencer. Alors, une, on l'identifie. Deux. Suivi de notre augmentation, deux mailles serrées dans la même maille.
Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 10. Deux mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Le rang 11 et 12, on monte les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 13. Le rang numéro 13, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, on commence avec nos 3 mailles serrées. La première, on la marque. Alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, notre augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 13. 3 mailles serrées, une augmentation pour 30. Et le rang 14 et 15, on monte les 30 mailles et on se retrouve pour le rang 16. Le rang numéro 16. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on vient commencer avec les 4 mailles serrées. Alors, 1, on la marque. 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, l'augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 16. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang 17 et 18, on monte 36 mailles et on se retrouve pour le rang 19. Le rang numéro 19, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Une, on vient la marquer. Deux, trois, quatre et cinq. Et dans la maille suivante, notre augmentation, deux mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 19. 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Les rangs 20 et 21, on monte les 42 mailles et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, on commence avec les 6 mailles serrées. 1, on vient mettre notre marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 22. 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Et les rangs 23 et 24, on fait les 48 mailles et on se retrouve pour le rang 25. Alors voilà, une fois qu'on a terminé les rangs jusqu'à 24, eh bien, on vient faire dans la maille suivante une maille coulée. Comme ceci. Et on se garde de la laine pour venir coudre le chapeau sur la tête de Orion. Alors, on se garde vraiment une bonne longueur pour être sûr de pouvoir tout faire le contour. Alors, voilà. Et on vient faire notre petit nœud. Alors, voilà. On a terminé le chapeau de Orion. Alors, ensuite, on va venir faire les détails sur le chapeau. Alors, on va revenir rechercher notre première laine pour venir faire les détails. Pour venir faire la finition sur notre chapeau, alors je suis venue mettre de la bourrure. Alors, juste assez pour que le chapeau se tienne bien, mais pas trop non plus pour pas que ça fasse une balloune, parce que sinon on va avoir de la difficulté à venir le coudre sur la tête. Alors voilà, un petit peu de bourrure à l'intérieur. Et ensuite, on va venir se faire des petits ronds comme ceci avec la première laine. Alors voilà. Alors tout simplement, on vient prendre notre laine pour le rang numéro 1. On fait un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles serrées. Alors voilà, pour le rang 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a terminé, on tire sur notre fil de départ pour fermer notre cercle.
Et le rang numéro 2, on fait tout simplement 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune de mes mailles, on vient faire 2 mailles serrées. Pardon. Alors, une et deux. La deuxième, une et deux. La troisième, une et deux. La quatrième, une et deux. La cinquième, une et deux. Et la sixième, une et deux. Alors, une fois qu'on a terminé, on va dans la prochaine maille et on fait une maille coulée. Voilà. On vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. On coupe l'excédent de laine. On vient couper notre laine. On fait un petit nœud. Et avec notre aiguille, on rentre le surplus dans les mailles. Voilà, on vient tout simplement faire au moins 3-4 mailles et on coupe l'excédent. Comme ceci. Alors, on en fait 4 et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé, eh bien, on vient les apposer sur notre chapeau. Alors, bien sûr, vous venez les placer de la façon qui vous plaît. Alors, voilà. Alors, là, c'est sûr qu'on a coupé le fil. Alors, c'est bien dur de venir coudre. Alors, vous pouvez toujours utiliser de la colle chaude pour venir les apposer. Sinon, eh bien sûr, on peut tout simplement, avec le fil, venir se rentrer un fil et venir les coudre maille par maille. Alors moi, personnellement, pour cette étape-ci, je vais venir utiliser la colle chaude pour être sûr qu'ils sont bien collés et qu'ils ne bougeront pas. Alors, on colle nos petites rondelles sur notre chapeau et on vient mettre de côté pour commencer l'assemblage. Alors, on va commencer l'assemblage avec les petites oreilles. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 6 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, entre le 5e et le 6e rang, c'est ici qu'on va venir coudre l'oreille. Alors, voilà, comme ceci. Alors, la couture, on va y aller maille par maille. Alors, on prend notre aiguille à laine. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on vient tout simplement poser les oreilles. Il n'y a pas vraiment de place spécifique où la mettre. Alors, mais l'important, c'est qu'elle soit entre le rang 5 et 6 pour que quand on va venir mettre le chapeau, eh bien qu'au moins, on voit l'oreille qui dépasse. Alors, voilà. Alors, on vient chercher une maille de la tête et les deux mailles, de l'oreille. Alors, comme ceci. Je me suis désenfilée. Voilà, je recommence. Alors, une maille de la tête et les deux mailles de l'oreille. Alors, on y va comme ça. On fait tout le long du rang. Alors, une fois qu'on a terminé, on fait un nœud. On pique l'aiguille à l'intérieur et on ressort plus loin. Et on vient couper l'excédent de laine. Alors, on fait la couture tout le long du rang. On fait un nœud, on pique l'aiguille, on ressort plus loin et on coupe l'excédent. Alors voilà, une fois qu'on a les deux petites oreilles, bien, comme ceci. Alors, on vient mettre de côté parce que le chapeau, on va le mettre en dernier. Alors maintenant, on va venir prendre le corps de Orion. Alors bien sûr, on le met sur le bon côté. Et on va venir mettre les bras. Alors voilà. Et là, ça va être important aussi que les coutures, les changements soient à l'intérieur du corps. Alors on vient mettre le bras avec le beau côté, comme qu'on pourrait dire, à l'extérieur. Alors, pour venir faire les bras, on va partir de notre cou, où est-ce qu'on a terminé. Et on va compter 1, 2, 3,
4, 5, 5 rangs. Alors, sur le cinquième rang, c'est ici qu'on va venir apposer le bras. Alors, toujours un peu en diagonale, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, là. En diagonale pour que le bras soit vraiment bien amovible. Alors, on va venir faire la même technique que pour l'oreille. On va prendre une maille du corps, une maille, les mailles du bras, et on va y aller comme ça tout le long de la couture. On va terminer avec un nœud. On rentre le fil, on le ressort l'autre côté et on coupe l'excédent. Alors, on met le bras à la même distance de l'autre côté. On fait 5 rangs, un peu en diagonale, et on fait la couture. Alors, on pose les bras et on se retrouve. Et voilà, les bras de Orion sont posés. Alors voilà, ils sont vraiment beaucoup amovibles. Alors, c'est ce qui est plaisant. Alors voilà, maintenant on va passer à la tête. Alors même procédé pour la tête. Alors on vient vraiment la placer avec le milieu sur le cou, comme ceci. Et là, on va utiliser la même technique avec la laine qu'on avait gardée. Alors, on va prendre une maille du cou, une maille de la tête, une maille du cou, une maille de la tête. On va le faire tout le tour. Et si on a assez de longueur pour faire 2-3 fois le tour, c'est génial. Alors, plus que de tour, plus que la tête est solide. Alors, on y va comme ça. Une maille de la tête, une maille du cou. Même chose, quand on a terminé, on finit avec un nœud. On pique notre aiguille et on ressort la laine beaucoup plus loin et on coupe l'excédent. Alors, on met notre tête et on se retrouve. Et voilà, Orion a enfin sa tête. Alors maintenant, on est rendu à placer son petit chapeau. Alors, on va venir le mettre à la bonne place, comme ceci. Alors là, je ne sais pas si on voit très bien. Alors, même technique. Alors là, je vais le tourner. Alors, avec la laine qu'on s'était gardée, une maille de la tête, une maille du chapeau, une maille de la tête, une maille du chapeau, et on y va comme ça tout le tour. Alors, on passe aussi sur les oreilles. On vient coudre le chapeau sur chaque oreille. Alors, voilà, on y va comme ça. Une fois qu'on est revenu, on fait notre nœud, on pique dans la tête, on ressort plus loin et on coupe l'excédent. Alors, on met notre petit chapeau et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a mis le chapeau de Orion, nous avons ceci. Alors Orion, c'est quand même un amigurumi qui a une très bonne longueur. Alors voilà, maintenant on va venir faire la finition de son visage. Alors avec le fard à joues ou le fard à paupières, de teint rosé. Alors on va venir doucement lui faire ses petites joues. Alors comme ceci. Pour lui donner un petit peu de couleur. Alors voilà. Et bien sûr, vous pouvez aussi, de votre propre chef, venir lui faire des détails. Alors, on peut toujours venir lui faire des moustaches, une petite bouche, des cils, des sourcils. Alors, c'est vraiment libre à vous. Petit point aussi, si jamais vous avez du ruban, comme moi ici, j'ai un ruban argenté. Alors aussi, on peut venir lui faire un rebord à son chapeau. Alors, ça fait un petit peu plus fini. Alors, une autre façon qu'on peut utiliser, bien sûr, le ruban, on vient l'apposer avec de la colle chaude. Alors, c'est une autre façon. Alors voilà, sinon, eh bien, nous avons terminé notre Orion. Alors, je vous dis un énorme merci d'avoir pris le temps de regarder ce nouveau tutoriel. Alors, gênez-vous pas, envoyez-moi des photos, j'adore voir vos créations. Justement, j'ai une abonnée récemment qui m'a envoyé une photo du chien saucisse des fêtes. Alors, c'était son chien saucisse, c'était vraiment magnifique. Alors, j'adore voir vos créations. Alors, je vous dis encore un énorme merci et on se revoit bien vite pour un nouveau tutoriel. À la prochaine!